Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir dans le cadre de l'émission Canva Jean-Michel Olivier. Jean-Michel Olivier est d'origine vaudoise, il vit à Genève où il est enseignant en langue française et anglaise. Il est né en 1952, il a d'illustres ancêtres vaudois et je le reçois aujourd'hui pour nous entretenir de ses livres, de sa vie. Jean-Michel Olivier, vous avez passé votre enfance à Genève, dans le quartier de Saint-Jean, et il y a une particularité concernant le quartier de Saint-Jean, c'est que les noms des rues de ce quartier portent toutes le nom d'une œuvre de Jean-Jacques Rousseau, et non loin de ce quartier de Saint-Jean, il y a le Stade des Charmilles. Alors vous êtes né sous la double étoile à la fois de la littérature et du sport, du football plus particulièrement. Et je crois savoir que vous avez assez longtemps hésité entre des études, une formation littéraire et le football. Quand on est gosse, on ne rêve pas de devenir écrivain tout de suite. En tout cas, on rêve plutôt de devenir footballeur, surtout quand on habite dans un quartier comme le quartier de Saint-Jean. Mais on est marqué malgré tout par le nom des rues, par ce personnage de Rousseau qui est quand même très énigmatique et puis très présent malgré tout dans le quartier. Mais les rêves, c'est du côté du stade des Charmilles, hein, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui à l'époque était une sorte de chaudron le dimanche, n'est-ce pas, où tout le monde se retrouvait, toute classe sociale confondue. Mais vous avez hésité assez longtemps. Enfin, vous envisagiez sérieusement une carrière de footballeur professionnel. Est-ce que c'était un rêve ou vraiment quelque chose de... Écoutez, je crois que ça on reste au stade du rêve. Hein. C'était un rêve ou un fantasme, parce que la réalité, c'est bien sûr très, très différent. Je ne crois pas que le football roman ait perdu un grand footballeur avec moi. Parce que j'ai adoré faire du football, j'en ai joué beaucoup, mais bon... Il y a des limites que je n'ai pas pu dépasser. Hein, et je pense modestement, mettons, être peut-être plus doué pour d'autres activités. Mais si vous étiez devenu footballeur, professionnel, est-ce que vous pensez que ça aurait été un obstacle pour votre carrière littéraire? C'est difficile après, je pense, de bifurquer une fois qu'on a... La carrière de footballeur est une carrière qui est très limitée dans le temps. On a souvent une deuxième ou une troisième vie après. Peut-être qu'on peut bifurquer vers l'écriture ou écrire des livres, etc. C'est quand même assez rare, d'une manière générale. Donc vous avez continué votre formation, vos études classiques à Genève, à l'Université de Genève. Et à Genève, vous avez en particulier eu des très grandes personnalités, très connues, des maîtres. Jean Starobinski, l'écrivain et professeur Michel Butor. Est-ce que ces deux grandes personnalités du pays ont eu une influence dans votre choix de carrière littéraire que vous avez choisi? Absolument. J'ai eu la chance de faire des études à l'université à une époque où vraiment il y avait encore ce que vous avez appelé des maîtres. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui il n'y en a plus, mais à l'époque, les études littéraires étaient peut-être mieux vues, mieux considérées qu'aujourd'hui. Et puis, en particulier, cette université attirait, c'est vrai, des personnalités comme Butor. J'ai suivi les cours aussi d'un philosophe français, Jacques Derrida. Oui, enfin, oui, des personnalités vraiment un peu d'exception. Hein. Et avec Butor, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'était peut-être la première fois, même en Suisse, ou Suisse romande, qu'on invitait une personnalité à venir enseigner, qui était aussi écrivain, hein, qui était romancier. Il arrivait, pour nous autres étudiants, c'était un romancier qu'on adulait d'une certaine manière, qui avait reçu des prix, etc. Et donc, le rapport était tout à fait différent, mettons, avec les autres professeurs qui étaient plus érudits, plus classiques, comme Starobinski, Dragonetti, etc. Donc, vous êtes devenu enseignant, vous avez fait des études d'anglais, des études de français et vous enseignez, vous êtes toujours professeur dans un collège à Genève d'anglais et de français. On vous a interrogé à propos de l'activité de l'écrivain. On vous a demandé par rapport à cette activité quel métier vous n'auriez pas voulu faire et vous avez dit que vous n'auriez pas voulu être comédien. Or, ce qui m'a surpris, Jean-Michel Olivier, c'est en lisant, en consultant votre site internet, je suis tombé sur le passage suivant, sur la réponse que vous avez fournie, que je me permets de vous relire pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, où vous dites ceci.
le besoin de dissimuler est inséparable du plaisir de jouer. Si j'écris, si je mets en scène différents personnages, c'est parce qu'à mon sens, j'ai un sens enfantin du jeu. J'éprouve un plaisir infini à porter des masques. Donc, n'y a-t-il pas une contradiction entre le choix que vous avez fait d'être écrivain, d'être un homme de lettres, et d'autre part, votre réponse selon laquelle vous n'auriez pas voulu être comédien? L'écrivain n'est-il pas un comédien? Je crois que vous avez raison. Vous soulevez là une belle contradiction là, qu'il faut expliquer. Mais dans mon esprit, ça n'en est pas véritablement une, parce que quand je dis que je n'aurais pas pu être comédien, je pense essentiellement à la scène. Hein. Ça, c'est vrai que je me suis produit, j'ai fait de la musique. J'ai jamais, Dieu merci, joué de pièces de théâtre. Mais par contre, j'ai fait de la musique, etc. Et jouer sur une scène, ça m'a toujours paralysé. Hein. Et donc, je serais vraiment incapable, même physiquement, de pouvoir me produire maintenant sur une scène. J'ai joué dans des petites scénettes avec des élèves, là, dans des spectacles comme ça, mais rien que ça, déjà, ça me terrorise. Alors que le métier, ou en tout cas, mettons, l'occupation d'écrivain, hein, on est caché quand même, on est dans son petit atelier, on est dans son bureau, on est dans un endroit, c'est vrai, où personne, en principe... On est le metteur en scène. Vous observe... Et on est le metteur en scène des personnages. Mais le comédien aussi. Et le comédien aussi, absolument. Hein. Mais il n'y a pas cette exhibition publique, mettons, hein, cette prestation physique que nécessite le vrai métier de comédien. Il y a deux livres qui ont retenu plus particulièrement mon attention. D'une part, L'enfant secret, qui a obtenu le prestigieux prix d'Antan il y a quelques années. Et curieusement, vous avez intitulé ce livre « Récit », alors que celui-ci a, à mon sens, toutes les caractéristiques du roman. Une histoire, divers personnages, un déploiement dans l'espace, un déploiement dans le temps. Alors qu'à mon sens, toujours, « Récit » s'applique davantage à un ouvrage de type plus personnel, plus personnalisé, plus près au fond du journal ou du témoignage de la personne. Oui, vous mettez le doigt sur justement une faille, la faille qui a peut-être donné naissance au livre, en fait. Je suis parti de l'idée, bon, c'est une histoire déjà ancienne, j'ai commencé à écrire le livre il y a plus de 10 ans, à prendre des notes, je voulais écrire l'histoire de mes grands-parents. Hein. Mes grands-parents, qui viennent d'Italie, du côté de ma mère, et du canton de Vaud, hein, du côté de mon père. Et puis j'ai commencé à écrire, etc., en essayant d'être le plus fidèle possible à mes souvenirs, à l'image de mes grands-parents réels, etc., en se disant toujours, bon, lorsqu'on écrit sur des personnes qui ont... réels qui ont existé, on n'a pas le droit d'inventer, de trahir, on n'a pas le droit de... etc. Et puis très vite, je me suis retrouvé un peu dans une impasse, parce que au fond, il manquait des pans entiers de cette histoire que les survivants, c'est-à-dire mon père, ma mère, ne pouvaient pas reconstituer, d'une certaine manière. Donc, bon, soit on n'en parle pas, soit alors on essaye soi-même, par l'imagination, de remplir un peu les vides, les blancs. Et puis, c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, les personnages... Petit à petit, vous en savez quelque chose, vous qui avez écrit plusieurs romans, prennent leur autonomie. Hein, et puis de l'épaisseur. Ils prennent de l'épaisseur, absolument. Ouais. Hein, et puis, ils prennent leur caractère propre. Ouais. Et puis, bon, vous suivez, vous racontez leur histoire à partir de faits réels. Mais bon, vous inventez énormément. Vous leur inventez une seconde, une troisième vie, etc. Qui parfois, c'est ça qui est intéressant dans le roman, qui parfois est vrai ou plus vrai que la vraie réalité. Ma mère, en lisant le livre, m'a dit... c'est drôle ce que tu racontes sur ton grand-père, etc. Moi, je ne t'ai jamais raconté ça, mais c'est vrai. Ça me revient en mémoire, c'est ce qui s'est vraiment passé, alors que personne ne m'en avait parlé. Hein. Donc bon, par l'imagination, on reconstitue une réalité qui est tout à fait plausible, ou qui est peut-être plus vraie même que la vraie. Vous avez prononcé le mot image, imagination. C'est un terme qui a beaucoup d'importance dans votre roman. D'ailleurs, vous parlez d'image en disant image, magie, ce sont les mêmes lettres dans un ordre différent. Et le mot image apparaît tout au long de votre livre, à la première ligne de votre récit ou roman. Et on voit l'importance que cela prend. Et d'ailleurs, le protagoniste de votre livre est photographe, c'est d'ailleurs le photographe attitré du Duce.
que l'on va suivre dans tout son itinéraire. Et alors, je me suis posé la question, vous appartenez à une génération qui a bien connu le cinéma, qui a beaucoup fréquenté les salles obscures, et je me suis demandé si ce choix de ce protagoniste qui est photographe et vos références à l'image, si cela n'avait pas également eu une influence ou un lien avec le cinéma. Ah bon, mon imagination est façonnée par les films, par le cinéma, par les livres certainement, par la bande dessinée aussi. Il y a toute une série de domaines qui nous ont vraiment marqués. Mais le cinéma, c'est vraiment une influence importante. La question de l'image, elle m'intéresse depuis déjà très longtemps. Vous avez d'ailleurs publié aussi des ouvrages relatifs à la photographie. C'est ça, la photographie, la peinture, et puis. Puis bon, en fouillant dans mon passé, c'est vrai, j'ai... Vous avez des ancêtres photographes vous-même? C'est ça, mon grand-père était photographe. Vraiment photographe. Ouais. Donc, il y a toutes ces photos qui traînaient, qu'on a perdues, etc. Ouais. C'est vrai qu'au début du livre, il y a ces quatre images des quatre personnages qui sont comme des photographies, mettons, mentales, qui vont être développées par la suite dans le roman. Mais ça commence par une image, c'est vrai, oui, et puis des voix, etc. Et puis après, on essaye de les préciser, de développer cette photographie. D'ailleurs, on peut le dire aussi, au fond, cette vision que vous avez des choses à travers l'image, il y a à la fois la vision du monde, du monde italien de l'époque du Duce, de la montée du fascisme italien, à travers le photographe, Julien, qui est ce personnage important de votre livre, mais on s'aperçoit également que, de l'impact, de l'importance que l'image avait, politiquement parlant, à cette époque, et vous insistez aussi beaucoup sur cet aspect, non seulement il y a le photographe qui vit de son art photographique, mais également l'utilisation que les pouvoirs publics de l'époque, et c'est transposable en Allemagne également, ont fait ou ont su faire de l'image à l'époque. Oui, les hommes politiques ont très vite compris l'importance de l'image, justement, par rapport à la population, l'importance de l'image par rapport à la popularité de leur personne. Mais alors, Mussolini a compris encore plus vite que les autres. Mettons, c'était véritablement systématique. Il a créé un ministère de l'image, de la propagande. Créateur des studios de cinéma de Cinecittà, sauf... Absolument. Et puis, cet institut s'appelait l'Institut Luce, d'ailleurs. La lumière, Luce, Duce, on n'est pas très loin. Oui, oui. Et puis, bon, c'était des gens travaillaient à non seulement rassembler des images, mais ils les modifiaient, ils les truquaient, ils rajoutaient des personnages, ils en effaçaient d'autres. Et ensuite, ils les livraient aux médias. Ce qui s'est aussi passé en Union soviétique. Absolument, absolument. Mais ça a été vraiment systématisé, mettons, avec le fascisme italien. Et puis, bon, lui, c'est un des hommes d'État qui a été probablement le plus photographié au monde. Il y a des centaines de milliers de clichés. Et il tenait absolument à la défense de son image. Absolument, absolument. Il y a toute une dramaturgie, une pose, etc., qu'il a vraiment imposé, mettons, à ses photographes. On sent très bien, vous l'écrivez remarquablement, d'ailleurs, dans votre roman, tout ce pouvoir qui s'est conforté, qui s'est bâti sur une image que l'on donne, une image évidemment tyrannique que l'on donne, mais il y a un autre pan que vous avez également observé, fort bien également, dont vous parlez, c'est celui de l'enfance. C'est-à-dire le comportement. Il y a à la fois l'image qui a assis ce pouvoir, devenu fascinant auprès des foules, mais il y a aussi une attitude ou un comportement. Et là, je me permets de lire un passage où vous parlez de l'importance en tant que pouvoir, non seulement de l'image que donne le chef de l'État, mais également de l'utilisation qu'il sait faire du sentiment de l'enfance. Vous dites ceci. « Les images imprimées dans l'enfance, c'est là, dans ce trésor d'effigie inconsciente, vivace, indestructible, qu'il puise de ses forces. Ces images hors du temps fondent sa fascination. Mais l'enfance n'est pas éternelle, dites-vous. Pour que cette fascination perdure, il n'y a qu'un moyen. Que l'enfance n'ait jamais de fin, qu'elle se prolonge toute la vie durant, l'enfant ne doit jamais grandir, même adulte, il doit demeurer un enfant. Même au moment de rendre son dernier souffle, il faut qu'il reste « infants ». Celui qui n'a pas encore droit à la parole, celui qui obéit, celui qui admire sans comprendre, celui qui vit sous l'empire des images. Et vous terminez. Voilà pourquoi le maître,
qu'ils s'appellent Mao, Staline, Hitler ou Mussolini, infantilisent à chaque instant la foule de ses adorateurs, de même qu'ils diabolisent ses détracteurs. C'est à ce prix seulement qu'il assoit son pouvoir. Oui, il a très vite compris, donc Mussolini a très vite compris le parti qu'il pouvait prendre en utilisant la fascination, en jouant sur cette fascination que les enfants ont pour les images et les voix. Hein. Les voix, on sait l'importance des discours chez lui, chez Hitler, etc., chez tous les grands, dictateurs. Et puis les images aussi, hein, en multipliant des images qui sont chaque fois très théâtrales, très soignées de lui, on peut maintenir cette fascination, c'est-à-dire qu'on garde les gens, au fond, dans cet état de dépendance le plus longtemps possible. Hein. Comme ça, les gens ne cherchent pas ailleurs, les gens votent pour vous, les gens vous adulent, vous adorent. Et ça, c'est quelque chose, c'est une adoration qui, chez certaines personnes, a duré toute leur vie. Hein. Ils n'en démordent pas. Mais ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est qu'un personnage important du récit, Campo, lui-même prend le recul, c'est-à-dire mesure à quel point celle-ci a été un instrument de pouvoir, mais au fond, lui-même n'y croit pas. Vraiment, il reste un homme libre. Campo reste un homme libre, et Campo écrit à sa fille, et il dit à Livia, je cite, « Une photographie n'est pas une épreuve du réel, elle n'atteste rien, elle ne glorifie rien, n'éclaire rien de ce qui est visible. On ne peut pas construire une vie sur des images, les célébrer, leur faire une confiance aveugle. Voilà pourquoi, dit-il toujours, quelle que soit leur origine, toutes les religions idolâtres sont vouées à disparaître, tôt ou tard, de la mémoire des hommes. Donc il est très sceptique vis-à-vis de ce pouvoir qui s'est assis sur l'image. Absolument. Ce personnage est inspiré de mon grand-père, donc italien. Hein, et un de mes grands regrets, c'est de jamais avoir pu lui poser directement la question, mettons. Hein, parce que chez nous, ça a toujours été tabou, on n'a jamais parlé de cette période-là. Bon, il est mort il y a quand même une trentaine d'années. J'avais 18 ans, 19 ans quand il est mort. Je n'ai pas, mettons, creusé la question. Je regrette beaucoup aujourd'hui. Hein, et donc, sa position par rapport justement à l'image, la glorification de cette image, j'ai jamais pu la connaître véritablement, donc là j'y vais un peu par spéculation, et puis bon, j'imagine qu'il est en effet, il a cette distance, hein, ce qui lui permet quand même de voir avec une certaine ironie le travail qu'on lui fait faire, et puis bon, cette espèce de glorification de l'image à laquelle il participe, hein, une glorification politique, ça, clairement politique quand même, mais avec quand même une petite distance, un regard qui était celui que je l'ai connu pour d'autres, dans d'autres circonstances, mettons, où il avait de l'humour, où il avait un peu de dérision, etc. Donc j'imagine qu'il était comme ça. Hein. Mais là, je spécule. Donc l'image nous accompagne dans l'enfant secret, du début jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, en lisant les dernières lignes de votre roman, « J'ausculte des voix, je déchire le silence ». Mon histoire commence où s'efface l'image. Je me suis demandé si ce n'était pas déjà un signe avant-coureur ou une introduction à votre grand roman qui va suivre quelques années après, La vie mécène, qui est évidemment un livre, un registre et une tonalité complètement différente, où tout est tourné vers l'extérieur, vers une visibilité ou une vision des choses à partir de divers personnages. Est-ce qu'on peut le dire ? Oui, vous savez, quand on écrit, quand on a l'impression de terminer un livre, on met le point final, mais c'est très bien, le livre ensuite paraît, etc. Mais le travail, je pense, continue à se faire, en tout cas de manière inconsciente. Et très souvent, c'est vrai, les dernières lignes ou la dernière image d'un livre, c'est au fond la première du livre d'après, mais on ne le sait pas encore. On ne sait pas encore ce qu'on va écrire par la suite, on n'a pas tout programmé quand même. Claude Frochot, que nous connaissons bien, éditeur qui a travaillé longtemps aux éditions L'Âge d'Homme, qui était le bras droit de Vladimir Dmitrievitch, me disait un jour, peut-être vous l'a-t-il dit aussi, que souvent, quand il lisait les dernières lignes d'un livre, au fond, il devinait
L'étape suivante, dans la mesure où il connaissait déjà l'auteur, qu'il avait déjà lu un certain nombre de choses, il voyait des liens entre les derniers livres d'un livre et le livre en train de se faire ou en projet. Oui, je pense qu'il y a vraiment une continuation secrète, invisible comme ça, d'un livre à l'autre, qui apparaît après coup et puis qui apparaît grâce au lecteur, c'est vrai. Dans la vie mécène, il y a une particularité, c'est qu'on a l'impression, si ce n'est pas la conviction, que vous y avez mis au fond toutes vos passions, le football, l'art, la peinture et la musique. Alors évidemment, la musique tient une très grande place dans votre roman, La vie mécène, en particulier la musique de jazz. Vous êtes vous-même musicien. Oui, tout à fait. Modestement, mais c'est vrai que c'est une des passions, mettons, de ma vie. Hein. La question que je me suis posée quand j'ai commencé ce livre, je me suis dit, mais voilà, il y a plusieurs choses que j'adore faire. J'adore le football, on en a parlé tout à l'heure. J'aime beaucoup la peinture, j'aime beaucoup la musique, etc. Et voilà, pourquoi pas en parler? Pourquoi pas trouver le moyen de parler justement de ces passions-là? Alors, plutôt que d'en parler de manière très théorique, c'est vrai que là, pour chacune de ces passions, il y a un personnage, qui est un personnage en principe incarné, qui existe vraiment, et qui vit cette passion, au fond, à ma place. Il y a un personnage central, le personnage d'Elias, mécène, ami des arts, qui aide, ami de la musique et tout. Au fond, il vous ressemble beaucoup, le personnage d'Elias. Est-ce que vous vous identifiez à lui ? Beaucoup, mettons. Je suis parti d'une idée ou d'un fantasme qui est un fantasme d'enfance, c'est-à-dire qu'est-ce que je ferais si brusquement, j'avais une fortune qui me tombait du ciel et de quelle manière est-ce que j'emploierais cet argent, hein? Dans le livre, bon, il a gagné cet argent de manière, mettons, un peu discutable, pour loin discutable, parce qu'il est quand même, c'est quand même un escroc, mettons, ou un petit escroc, ou un grand escroc. Mais là, il a cet argent à disposition. Oui, tout à fait. Il a de l'humanité. Et donc, il décide de se lancer à fond dans ses passions. Il décide de faire confiance à son désir, au fond, c'est ça. Il aime la musique. Sans avoir reçu d'éducation musicale particulière, il a des goûts, des idées, c'est ça. Pour la peinture, c'est la même chose, et il décide, non seulement d'acheter des œuvres qui lui plaisent, mais d'aider des artistes qui ont besoin peut-être d'aide à certains moments de leur vie, etc. Pour le foot, d'ailleurs, c'est la même chose, puisqu'on reprend le club, et de cette manière-là, voilà. Servette, pour ne pas le nommer, Servette. Voilà. Mais il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup de générosité financière chez Elias, mais ce n'est pas seulement financier, on voit aussi sa dimension humaine. Mmh. C'est tout de même lui qui va verser une rançon pour faire libérer ce peintre qui est au Maroc, qu'il apprécie beaucoup. Donc il y a aussi la dimension non seulement d'aider financièrement pour la musique, pour le sport, le football en particulier, mais également la vie humaine lorsqu'elle est menacée, lorsqu'elle est en danger. Donc on voit très bien dans ce grand roman, polyphonique on peut dire, vos thèmes, vos passions, et vous dites une très belle chose concernant la musique, vous dites ceci. Dans la musique classique, une erreur est une erreur. Une fausse note est impardonnable. Mais dans le jazz, une erreur est une chance. Que voulez-vous dire par là ? Quand on a fait de la musique classique, quand on aime simplement la musique classique, on assiste à des concerts, on voit très bien l'importance, n'est-ce pas, de jouer exactement la note au bon moment, de la bonne manière, etc. Il y a l'idée de la fausse note, par exemple, qui est une sorte de catastrophe, de péché capital. Alors là, bon, on vit dans cette idée de ne pas faire de faute. Hein, l'orthographe, c'est la même chose. D'ailleurs, bon, il y a de nombreux domaines, au fond de la vie qui sont de cet ordre-là. Et puis, le jazz arrive avec, justement, une autre logique, une autre manière de penser, au fond, la musique. La musique, ce n'est pas nécessairement de faire uniquement des beaux accords ou des notes qui tombent au bon moment, mais justement de jouer sur un peu les accidents, les chances de trouver d'autres chemins, d'improviser dans d'autres directions, etc., à partir d'une note qui est fausse ou qui tombe mal ou qui tombe à contre-temps.
temps et qui, bon, vous dirige dans des directions totalement différentes. Et ça, c'est vrai que c'est une logique, un monde qui est absolument fascinant et puis qui, d'un autre côté aussi, mettons, rassurant humainement, parce que c'est vrai que des fautes, on en fait, tout le monde en fait, même quand on joue depuis 20 ans, 30 ans, etc. Et se dire qu'à partir de cette fausse note, cette note qui est un tout petit peu à côté, eh bien, on peut aller dans d'autres directions. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est que je fais un lien maintenant entre l'enfant secret et la vie mécène. Au fond, on vous sent en tant que personnage, si je puis dire, autant dans l'enfant secret que dans la vie mécène. L'enfant secret, ben, vous apparaissez, hein, vous voyez, vous êtes à la fois par moment un personnage ou par moment vous-même. Et dans la vie mécène, vous êtes un des personnages qui est au fond un personnage proche d'Elias. Au fond, il y a un besoin de participer, de vous personnellement, vous, Jean-Michel Olivier, écrivain, de participer à la vie de vos personnages à l'intérieur même du récit ou du roman. Oui, je ne peux pas m'empêcher probablement de mettre mon grain de sel dans le roman. Les deux sont très différents. Dans l'enfant secret, c'est vrai qu'il y a déjà des ombres, des fantômes qui rôdent déjà avant la naissance proprement dite, qui est au fond la mienne à la fin du livre. Et c'est vrai qu'en naissant, bon, on n'est pas totalement vierge non plus ou totalement vide d'images. Hein. Toutes ces images viennent du passé, on ne les connaît pas encore, elles vont avoir une importance dans votre vie. Et puis bon, là, j'essaye de les développer. Pour la vie mécène, c'est un peu le même principe. C'est vrai que bon, ces personnages qui ont tous une passion qui est aussi la mienne, j'essaye de les interroger, d'intervenir dans leur vie, de voir un peu comment ils réagissent dans telle et telle situation. Et on voit tout au long de votre carrière d'homme de lettres, d'écrivain, d'essayiste, une évolution et surtout des formes très différentes d'un livre à l'autre. L'enfant secret est de facture plus classique, alors que La vie mécène est un livre très moderne dans sa forme, dans sa polyphonie également. Et là, je vous pose une question toute générale. Vous-même, qui êtes encore d'une jeune génération, qui est intéressé à beaucoup de choses, au roman en particulier, au centre de votre vie, de vos préoccupations, comment voyez-vous évoluer le roman, si je puis me permettre la question? Est-ce qu'il y a une tendance, est-ce qu'il y a ce sens nouveau qui apparaît? Alors, on a tous vécu cette espèce de période de glaciation des années 70, je dirais, 70, 80, avec la tyrannie du nouveau roman, la tyrannie de ceux qui voulaient justement briser, évacuer les personnages. C'est pas qu'on revienne en arrière, mais j'ai l'impression qu'on revient quand même à des principes plus classiques, peut-être. On redécouvre l'importance des personnages, on redécouvre l'importance d'une histoire qui peut toucher lecteur, il y a toutes sortes d'éléments qu'on a un peu occultés. Il y a un retour au récit, absolument. Plus traditionnel, ne pensez pas qu'il est lié aussi à un des grands problèmes de la société d'aujourd'hui, c'est le problème de l'identité, de l'identification, de l'identité qui nous ramènerait au récit parce qu'il y a un besoin d'en savoir plus sur soi. Je pense qu'il y a une interrogation profonde sur l'homme, sur la personnalité, sur l'identité, qui est vraiment d'actualité dans le roman et dans cette nouvelle vague de romanciers. Mais on voit ça en France, on voit ça beaucoup aux États-Unis aussi. Et je pense que le roman francophone, mettons, est tout à fait dans cette lignée-là. En Suisse romande, on n'y échappe pas non plus. Après une période assez, mettons, peut-être intimiste, véritablement. Là, on redécouvre un tout petit peu le réel. J'ai l'impression que le roman s'intéresse plus à la société d'aujourd'hui. C'est intéressant parce que vous avez prononcé le mot réel et on avait posé la question au prix Nobel Naipaul il y a quelques années à propos de l'avenir du roman. Et au fond, il va un peu dans le sens de ce que vous dites. N'est-ce pas ? Il dit, je le vois évoluer vers une structure narrative plus près du récit traditionnel, mais en même temps tenant compte de la sociologie, des données modernes, du témoignage, donc avec une littérature qui serait peut-être un peu à la fois subjective et objective. C'est un peu l'impression que nous avons. Jean-Michel Olivier, je vous remercie infiniment de vous être déplacé au studio Thor, de nous avoir entretenu de vos livres, de la littérature. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci.